Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette d'un poulet général Tao dans l'air fryer et c'est une recette facile. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 2 cuisses de poulet désossées ou une grosse poitrine de poulet désossée coupée en cubes d'environ 2 cm cubes, une cuillerée à thé de sel fin, une cuillerée à thé de poivre noir moulu, une demi-cuillerée à thé de bouillon de poulet en poudre, 2 gousses d'ail finement hachées, 2 cuillerées à soupe de fécule de maïs, et pour terminer avec ces ingrédients, c'est 2 cuillerées à soupe d'huile végétale. Les ingrédients pour la sauce, nous avons besoin d'un quart de tasse de ketchup, 2 cuillerées à soupe de sauce soya, 2 cuillerées à soupe de sucre brun, une demi-cuillerée à thé de gingembre frais moulu, 2 gousses d'ail finement hachées, une demi-cuillerée à thé de sambal au lait, et pour terminer les ingrédients pour la sauce, une demi-cuillerée à thé d'huile de sésame. Les ingrédients pour la finale, nous allons avoir besoin de riz jasmin, de graines de sésame, d'oignons verts ciselés et de la coriandre fraîche ciselée. Dans un bol, j'ai placé les cubes de poulet et je vais ajouter avec les ingrédients au complet, donc le sel fin, le poivre, le bouillon de poulet, l'ail, fécule de maïs. Je mélange bien le tout et je termine avec l'huile. Et je mélange à nouveau. Par la suite, je superpose les cubes de poulet sans les superposer. C'est important, sinon ils ne vont pas bien cuire. Alors, ça peut être une plaque ou votre panier. Je vais maintenant préchauffer mon air fryer à 400 degrés Fahrenheit. Avec une minuterie de 18 minutes. Il ne faut pas oublier qu'à mi-temps, il faut retourner nos cubes de poulet. Start! AdFood vient de s'annoncer, donc je vais maintenant ajouter mon cabaret. Il est bien réchauffé, je le mets le plus bas possible. Et il ne faut pas oublier dans 9 minutes de retourner les cubes de poulet. Préparons la sauce en attendant. Alors, je vais mettre tous les ingrédients pour la sauce. Alors, je commence par le ketchup. Et tout ça dans un poêlon parce que nous allons faire réduire cette sauce-là par la suite. La sauce soya. Le sucre brun. Le gingembre. L'ail. Le sambal au lait. Et pour finir, l'huile de sésame. Je vais bien mélanger le tout. Et je vais porter à ébullition tout en mélangeant pour dissoudre le sucre. Et je vais laisser réduire à feu doux jusqu'à la texture désirée. Le 9 minutes est écoulé. Je vais tourner tous les cubes de poulet pour faire cuire pour un autre 9 minutes par la suite. Il ne faut pas oublier de vérifier par la suite la cuisson du poulet pour être certain que c'est bien cuit. Ça dépend toujours de la quantité de poulet et de la grosseur des cubes. Mon poulet est prêt. Il est croustillant. Il faut qu'il soit croustillant. Il ne faut jamais oublier que le air fryer, la cuisson, surtout comme la viande ou les légumes, ce n'est pas une science exacte. Ça dépend toujours de la quantité
de la grosseur. Il faut toujours vérifier la cuisson. On a vérifié la cuisson et elle est parfaite. Nous allons ajouter maintenant la sauce General Tao. Nous allons bien mélanger le tout. Et nous allons au service. Si jamais vous trouvez que votre sauce, vous n'en avez pas assez ou vous aimez ça plus de sauce, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau pour faire plus de sauce, mais ici, c'est parfait. Nous sommes rendus au service. Nous avons accompagné ça d'un riz jasmin. Nous allons ajouter sur le General Tao un petit peu de graines de sésame, un peu de coriandre également, l'oignon vert. Je vais déguster en laissant le dernier mot à Julia Child. Bon appétit!